Previously on Phonetics. Alors que Serge nous racontait l'histoire de George pour nous expliquer qu'un mot était plus important que les autres dans une phrase. George gave her flowers last night. Ça veut dire George lui a offert des fleurs la nuit dernière. Ouais, je sais, c'est romantique. Il tomba éperdument amoureux de George, mais cet amour était impossible et il dut se résoudre à parcourir la nature. Balade tranquillement dans la nature sans se douter de quoi que ce soit. Il se balade innocemment, sans même savoir qu'en son sein, il porte un accent. Mais il fit aussi la rencontre de plein d'autres mots, dont des mots de 3 syllabes ou plus. Et ces mots-là, dit-il, il faut placer leur accent en respectant un nombre de règles au total de 7. Alors, bah, ça change rien à la place de l'accent dans le mot. Ouais. On les appelle les suffixes faibles, c'est pas pour rien. Animaux respectent bien la première règle, celle qui dit que l'accent va tomber sur la première syllabe, sauf contre-indication. Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. La dernière fois, souvenez-vous, on avait vu que placer l'accent dans un mot de 3 syllabes ou plus, bah, ça foutait un petit peu le bordel. On avait donc vu qu'il y avait 7 règles qui permettaient de bien placer l'accent dans un mot de 3 syllabes ou plus. On a déjà vu la règle numéro 1 et la règle numéro 2. Aujourd'hui, voyons la règle numéro 3 et la règle numéro 4. Bon, la dernière fois, j'étais sympa, j'étais pas trop vache. Je vous ai montré le beau côté des choses en vous montrant 2 règles qui ne changent quasiment rien avec des suffixes qui ne changent absolument rien. Mais croyez-moi, des suffixes qui foutent le bordel, y en a des tonnes. Et en plus, on va en voir aujourd'hui. Allez, générique. It might be true that there are 6 billion people in the world and counting. In a sense, like nevertheless, what you do not makes a difference. Règle numéro 3. Des suffixes qui foutent le zbeul, on en a une flopée. Tellement que je me sens un petit peu obligé de vous en lire la liste. Je me suis même d'ailleurs dressé un prompteur spécialement pour l'occasion, afin de pouvoir vous les lire. On retrouve donc parmi ces suffixes qui foutent le zbeul, ebo. Tiens d'ailleurs ça rime. On retrouve aussi son cousin ibo. On retrouve aussi shen, hurry, in, ik, son cousin x, in, ish, ia, int, ius, osis. On retrouve aussi uro, son cousin io. Et on retrouve aussi iti. En règle générale, les suffixes terminant par i ou u, suivi d'une voyelle précédant une consonne, vont affecter le placement de l'accent dans le mot. Mais faut pas croire, hein, leurs cousins ik ou iti, ils font tout pareil, hein, c'est des gros copieurs ceux-là. Et comment font-ils, me direz-vous? Eh bien, ils placent l'accent sur la syllabe qui précède le suffixe. Comme par exemple, pour able, on va trouver durable ou encore laughable. Pour able, on retrouve compatible, resistible. Pour io, on retrouve differential ou encore financial. Pour shin, on va retrouver physician, clinician ou encore musician. Pour in, on va retrouver comedian, civilian ou encore technician. Pour hurry, on retrouve adultery ou encore debauchery. Pour ik, on retrouve archaic, platonic, characteristic. Pour x, on retrouve diabetics, topics ou encore phonetics. Pour in, on retrouve classification ou encore vegetation. Pour ear, on retrouve bacteria ou encore victoria. Pour int, on retrouve proficient ou encore ingredient. Pour is, on va retrouver mysterious ou encore religious. Pour ish, on va trouver embellish ou encore establish. Pour osis, on va trouver hypnosis, osmosis ou encore diagnosis. Mais attention toutefois à des exceptions qui retrouveront leur accent placé en première syllabe, comme par exemple politic, catholic, spiritual ou encore heretic. Bon après, pour toutes les exceptions, l'accent ne se retrouve pas forcément en première syllabe. Hein. Il y a des exceptions pour lesquelles l'accent va se retrouver en deuxième, troisième, quatrième syllabe. Ça dépend vraiment de l'exception, mais j'ai pas envie d'en faire une liste parce que ça deviendrait vite chiant. Ah ouais. De même, attention à des mots comme comic. Ça a l'air d'avoir un suffixe, ça a le goût d'un suffixe, mais ce n'est pas un suffixe, puisque le mot come n'existe pas. De plus, ce mot n'a que 2 syllabes, donc ça ne marche pas.
Règle numéro 4. On placera l'accent sur l'antépénultième syllabe pour tous les mots qui finissent par si, ti, fi, ji et o. Non mais attends mec, t'es sérieux là? Attends, la dernière vidéo tu nous disais que quand ça finissait par al, bah ça changeait rien. Et puis là, tu nous dis que en fait ça change tout. Et en plus tu utilises un vocabulaire de malade pour nous expliquer ça. Genre, ça veut dire quoi là, antépénul machin là? C'est toi qui es nul, non mais vas-y, sérieux, t'es pourri, casse-toi. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, je vois. En fait, c'est un poisson d'avril, c'est ça. Elle est bonne, elle est bonne. Non, en fait, elle est pourrie. Non, mais franchement, tes vidéos, elles sont nazes. Allez, non, mais moi, je me casse, là, je me désabonne, c'est fini, allez. Quoi? Quoi? Mais non, 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 mais te désabonne pas. Attends, reste, tu vas, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que quand ça se termine par un suffixe en O, en effet, ça change rien à la place de l'accent dans le mot. Mais vous l'avez senti, le nom de ma phrase, là? Oui, on parle bien de suffixe. Quand c'est un suffixe en O, en effet, ça change rien. Quand c'est pas un suffixe en O, eh ben ça change tout. Et ouais, rien que ça. Bon, après, antépénultième syllabe, ça veut dire avant-avant-dernière syllabe. Oui, parce que en latin, ante égale avant, pene égale presque, et ultimus égale dernier. Donc c'est un mot pas du tout pompeux, et même vachement pratique. Disons que c'est plus joli que de dire avant-avant-dernier. Tu t'ennuies à regarder des séries? Alors toi aussi, apprends des nouveaux mots français en apprenant la phonétique anglaise avec la chaîne Phonetics de Mr. T. Par exemple, si on prend le mot critical. Pourquoi critical? Bah parce que j'aime bien, c'est tout. Puis en plus, il colle bien avec le 1er avril. Donc, critical, mot de 3 syllabes, critical. Comme on l'a vu, on placera l'accent sur l'antépénultième syllabe. Donc, ce sera pas O, ce sera pas TI, ce sera CRI. Jaffa, CRI. Jaffa, CRI. Donc, on retrouvera des mots comme pharmacy, democracy, ology, geography, clarity ou encore critical. Et vous voyez que pour chacun de ces mots, on place l'accent sur l'antépénultième syllabe. Ah, et d'ailleurs, c'est la même chose pour animaux. Oui, je sais, je vous ai dit dans une précédente vidéo que animaux ont placé son accent en première syllabe grâce à la première règle, mais non, pas du tout, c'est grâce à la quatrième. Bah oui, parce que animaux, sa première syllabe, c'est aussi son antépénultième syllabe. Oui, je sais, c'est génial, je suis génial. Je suis tellement maléfique, j'ai plein d'idées comme ça qui me viennent, je fourmille d'idées tordues pour vous faire tourner en rond. Ça y est, j'ai trouvé. Je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. J'aime pas tellement quand tu ris comme ça, papa. Ça me fait peur. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Vous aurez au moins appris un mot, à défaut de parler correctement en anglais. Je vous rappelle que vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, mettre un pouce bleu, bah ouais, parce qu'en fait il était pas vert, mais personne me l'avait dit. Mais personne me tient au courant, moi, alors forcément. Vous pouvez même aussi vous abonner, ou bien vous pouvez aussi m'envoyer des cadeaux, hein. C'est vous qui voyez, hein. Pourquoi pas? Bah, il y en a qui ont essayé. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler correctement en anglais, même si tout le monde ne parle pas comme ça et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs.